une population déterminée et engagée dans les actions de citoyenneté dont l'objectif final est de rendre la ville de Ziguinchor propre. Cette deuxième édition de la Journée nationale Sersetel s'est tenue en présence des autorités. Donc nous sommes là aujourd'hui pour honorer la deuxième édition de la journée du Sertal Sunureu, la journée initiée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc aujourd'hui nous sommes ici au marché Guana, communément appelé marché Guana du marché Bukot à Ziguinchor. Donc pour lancer la journée, et nous sommes en tout cas satisfaits dans un premier temps de la mobilisation qu'on a vue, la mobilisation de tous les citoyens de Ziguinchor, à côté des forces vives de la nation, à côté également des corps habillés de la nation. Donc nous sommes très satisfaits de cette mobilisation-là. Nous espérons simplement qu'au sortir en tout cas de cette journée-là, que les populations de Ziguinchor prendront connaissance de l'importance de sauvegarder, en tout cas de préserver le cadre de vie. Ce qu'on a vu ici au niveau du marché Guana, du marché Bukot, n'est pas du tout reluisant en tout cas pour ce qu'on pourrait attendre du cadre de vie dans lequel les populations devraient évoluer. En tout cas, c'est une journée hautement symbolique et importante dans ce sens que permettra aux populations de prendre connaissance des dégâts que nous causons à la nature, à l'environnement, mais de l'importance également de vivre dans un environnement sain. Le marché Bukot n'est pas la seule cible de cette masse qui a comme mot d'ordre de faire de Ziguinchor une ville où il fait bon vivre. Ici à Ziguinchor, pour cette journée, nous avons trois sites principaux, notamment le marché Bukot et ses alentours, l'école Jean Kandé et ses alentours, qui doivent être nettoyés, mais également des canalisations aussi qui doivent être curées et débouchées. Et à cela également s'ajoutent d'autres endroits qui vont être nettoyés. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer l'engagement et la volonté des différentes parties prenantes, notamment les autorités administratives, mais aussi les collectivités territoriales, les services techniques et l'ensemble des forces vives de la région de Ziguinchor. Et j'espère également qu'en fin de compte, les objectifs que nous nous sommes fixés seront atteints. La mairie de Ziguinchor s'engage à prendre des mesures appropriées pour permettre à sa population de vivre dans un environnement sain. Dans un environnement sain pour les populations, en tout cas c'est notre vœu le plus cher. Et nous, pour ce qui nous concerne à la mairie, nous prendrons toutes les mesures pour que cette situation-là cesse définitivement en tout cas, et que Ziguinchor soit assaini pour que les populations puissent vivre dans un environnement agréable. Cette initiative de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est bien suivie par les citoyens sénégalais. Cela s'explique par l'engagement et la détermination qu'il dégage sur le terrain, comme le fait Ali Kaza. Thank you.